exits on each side of the cabin, allocated at the front, in the center. Pénible, c'est pas amusant, mais les bateaux sont prêts, on est en train d'attendre la décision pour savoir si le vent va être praticable ou pas. C'était décidé en 66 à Paris Lingworth. La Karen est un dessin de Primrose quand même. Hein. Un bateau très lourd, un bateau qui fait 16 tonnes au moins à nu. Et de voir la puissance d'une quille longue qui descend à 2,40 m. Hein. C'est énorme. Hein. C'est un pieu. Donc un phoque qui s'appelle un Yankee, si vous voulez, qui monte assez haut, et par contre vous avez le recouvrement du bas parfait avec la trinquette. Et c'est parfait, superbe, équilibré, c'est sensationnel. C'est exactement le même intérieur. Les configurations d'origine, oui, absolument. Et avec surtout ces puits de lumière. Connaissiez-vous ces puits de lumière-là? Bien qu'il soit lourd, si vous voulez, on sent quand même une accélération. On le sent, c'est un bateau qu'on sent quand même, qui est physique. Hein. Et quand il marche bien, vous le sentez bien, vous le sentez à l'aise. Il faut chercher la vitesse maximum. Vous voyez, il n'a aucun instrument. Ils sont salauds, hein.